Allora, no, l'ultima domanda ovviamente mi ricollega a quello che hai appena detto, cioè che cosa vedeva lei da bambino? Qual è la cosa che più l'ha colpita, lei mi ha sempre preso, magari il film che ha visto più volte, quando era molto piccolo? Beh, parlons beaucoup parce qu'à l'époque il n'y avait pas les DVD. À l'époque on parlait de la frustration. On attendait pendant 12 mois le film de Noël. Ouais, moi je m'en souviens très bien, hein. Pendant 11 mois j'attendais le film de Noël qui était généralement un film de Disney et qu'on allait voir en salle à Noël et c'est le seul film qu'on voyait dans l'année. Donc je dois dire que j'avais un choc en fait tous les ans. Celui qui m'a peut-être le plus marqué c'était le livre de la jungle parce qu'après je voulais plus parler à personne. Je voulais avoir comme copain un ours et une panthère. Et puis la Belle et le clochard aussi. C'était la première grande histoire d'amour avec la scène des spaghettis. C'est terrible quand on a 7 ans, hein, la scène des spaghettis. Je demandais des spaghettis tous les jours après. Ma quando piccolo io esisteva la frustrazione, si aspettava per 12 mesi il film di Natale, poi finalmente usciva e si andava a vederlo in sala ed era l'unico film che si vedeva durante l'anno. E probabilmente è quello che ho amato di più, il libro della giungla, e avuto su di me l'effetto di farmi venire voglia di avere come amichetti una pantera, un orso, di non aver più voglia di parlare a nessuno. E anche la bella... No, lì il vagabondo. Lì il vagabondo, in italiano, la scena degli spaghetti è terribile, quella scena a 7 anni, se ci pensate bene. Ecco, per limitare la frustrazione, quando uscirà il terzo capitolo di Arturo in Francia? Dans 5 mois. On les a tournés ensemble et on travaille ensemble. Mais le troisième est encore plus difficile à faire que le deuxième, techniquement. Nous avons tiré ensemble et techniquement, le terzo est encore plus difficile à faire que le secondo. Benissimo, ringraziamo Luca Bessone e auguri di buon Natale. Grazie. In Italia quando uscirà?